Good morning, allez, Iden, les suisses aujourd'hui, le Nishmat, Avram, Chayin, Orber, Ben Fortune, Mazel, Ramim, Ben Rosa, et Yedida, Batester, si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui, Maserhet Rin, Perekret, Mishnah Vav. Charme Kohanim, En Lahem Pidion, Ela, Nitanin, La Kohanim. Rabbi Uda, Ben Betera Omer, Stam Charamim, le Bedek Abait, Sheneemar, Kol Cherem, Kodesh Kadashim, Hu, Lashem. והחכמים אומרים, סתם חרמים לכהנים, שנאמר, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. אם כן, למה נאמר כל חרם קודש קדשים מול השם? שהוא חל על קודש קדשים ועל קודשים קלים. On continue dans notre Mishnah à parler du sujet des חרמים. Je réexplique le principe explicite dans la Torah, dans Bechukotai, à la fin, un des derniers psukim du Chumash Vayikra, où la Torah, elle nous dit qu'une personne qui va, je n'ai pas trouvé le bon mot, qui va prononcer un anathème, ça se traduit aussi qu'il va dévouer, mais dans le sens théologique, la définition du dictionnaire, c'est donner la vie d'une personne en sacrifice et divinité. Je ne sais pas ce que, réprouver, destiné aux peines éternelles. Le principe de kherem, c'est que je vais prendre une chose, je vais l'exclure de moi, j'en veux plus. Je vais le rendre kherem. Comme en arabe, on dit haram. Ouais, on le rend, on le tège, comme on dit. D'accord ? C'est le principe du kherem. Alors, la Torah l'a donné à la chose bien précise. Lorsque tu vas prononcer un kherem, eh bien, en réalité, il va y avoir, selon le cas, ça va rentrer en possession des kohanim ou de la trésorerie du Beth Amigdash. D'accord ? On a étudié plusieurs sujets dans la Mishnah d'Alet et Hey. On a parlé sur quelles choses seront concernées, qu'est-ce que je peux interdire de la sorte ? On parlait des différents biens, des biens mobiliers, immobiliers, des esclaves. Et puis, dans la Mishnah, maintenant, Vav, on commence en disant « Charmé ». Alors, non, il me faut une autre petite introduction, c'est d'expliquer qu'en réalité, la Torah elle explicite qu'il y a deux... Concrètement, il y a deux manières de faire un kherem, si j'explicite. Et la question, elle va être, qu'est-ce qui se passe quand c'est tacite? Si j'explicite, tout d'abord, alors, je peux faire soit un kherem que maintenant, ça y est, je me l'interdis, que ça aille pour les kohanim. Ça va s'appeler un charmé kohanim, un kherem pour les kohanim, un anathème pour les kohanim, que c'est eux qui vont en bénéficier. Ou bien je peux faire aussi un kherem bedek abayit. Un bedek abayit, c'est la trésorerie du Beth Amigdash. Et sur ça, il y a une différence entre les deux. La Mishnah commence en disant charmé kohanim elam pidion. Les charamim, les anathèmes prononcés pour les kohanim, alors tu ne pourras plus jamais les racheter. Ela nitanim la kohanim, mais ils seront donnés aux kohanim. C'est-à-dire donc, si j'ai voulu faire léguer un bien, m'interdire un bien en l'honneur des Kohanim, eh bien ça va devenir la propriété des Kohanim et je ne pourrai plus jamais le racheter. Il n'y a plus d'option pareille. C'est devenu la possession des Kohanim, de la famille des Kohanim qui était de service au Beth Amigdash à cette période de l'année, comme on avait expliqué, on en avait parlé dans la Mishnah précédente. Et à la différence par contre des Charmé Bedek Abayit, le Kherem, les anathèmes qu'on va penser en l'honneur du Bedek Abayit, de la trésorerie du Beth Amigdash. Alors là, le Beth Amigdash c'est différent, parce que le Beth Amigdash il n'a rien à faire avec une caméra, ou avec un livre, ou avec une cravate ou une montre. Donc le Beth Amigdash il regarde que la valeur marchande. Donc j'ai proposé une caméra, et eh bien le trésor du Beth Amigdash va le récupérer, et va la vendre, et donc il va racheter la Gdusha en fait, il va récupérer de l'argent à la place de l'objet. De ce fait, les haramim du Bedek Abayit, alors ils peuvent être rachetés, à la différence des kohanim, d'accord ? C'est ce que la Mishnah a dit dans la première phrase. Je traduis, charamé kohanim anelam pidyon. Les haramim, les anathèmes prononcés en l'honneur des kohanim, n'ont pas de possibilité de rachat. Et là, ni tanin la kohanim, mais ils seront plutôt donnés aux kohanim, et c'est tout. Autre sujet, maintenant, on va parler de tacitement, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une marloquette. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Rabbi Yehuda ben Betera enseigne, Stam Charamim le Bedek Abayit. Lorsque tu vas, sur un coup, un élan, tu vas dire que tu vas rendre cet objet Kherem, sans préciser est-ce que ça va revenir pour les Kohanim ou pour le Beth Amigdash, pour le Bedek Abayit, eh bien Rabbi Yehuda ben Betera va nous dire Stam Charamim le Bedek Abayit. Stam, quelque chose qui est Stam, qui n'a pas été explicité, donc. Implicite, tu n'as pas précisé à qui tu veux le faire, tu as juste prononcé un kherem sans préciser à qui, eh bien ça reviendra au Bedek Abayit. Chez Nema, comme nous dit le verset, Kol kherem kodesh kadashim hu l'Hashem. Tout kherem sera saint des saints en l'honneur d'Hashem. Donc,
la sainteté en l'honneur d'Hachem, c'est le Beth Amigdash. Les Chachamim ont, tandis que Chachamim enseigne, non, Stam Chachamim la Kohanim, lorsque tu prononces un Cherem Stam, sans préciser à qui tu, en l'honneur de qui tu vas en bénéficier de cela, eh bien, ça revient en Kohanim, chez Nehemar, comme nous dit le verset, qui se dit Cherem la Kohen Tiyeh Achuzato, comme le Sadé, comme le chant qui aura été mis en anathème, que ça revient au Kohen. Cette parcelle reviendra au Kohen. Donc on déduit de ce pasouk qu'au contraire, le Cherem, il revient de manière naturelle au Kohen plutôt. Imked, Laman et Emar. Alors, Rabbi, maintenant, on s'occupe finalement. On se retrouve qu'on a Rabbi Yehuda ben Betera qui a un premier pasouk qui lui me dit que le Cherem, il revient à Hachem, donc Beth Amikdash. Chachamim rapporte un pasouk qui lui dit non, le Cherem, il revient en Kohanim. Alors, qu'est-ce que Chachamim vont faire avec le pasouk de Rabbi Yehuda ben Betera? Imken lama neemar kol cherem kodesh kadashim hu l'Hashem. Dans ce cas-là, pourquoi le pasouk m'a dit que tout le cherem il sera kodesh kadashim à Hashem, puisque je dis que ça revient en Kohanim, alors pourquoi le pasouk il précise que c'est kodesh kadashim? Alors, la Mishnah me répond en me disant shehu chal al kodesh kadashim ve al kodashim kalem. C'est venu en réalité d'apprendre une autre halakha, que tu pourras même rendre en cherem, tu pourras faire prononcer un cherem, un anathème, sur un animal qui est déjà kadosh, qui est déjà un korban ola ou un korban shlamim. On ne va pas rallonger sur ça parce que ça va être le sujet de la prochaine Mishnah qui en fait s'embrique sur cette phrase et va expliquer dans les détails de quelle manière, à quel prix il faudra acheter les choses. En réalité donc, ce qui nous intéresse juste, c'est juste de retenir que je peux faire prononcer un cherem, un anathème, sur un animal qui est kadosh. Ok ? On a fini en théorie la Mishnah, il y a un petit point important à expliquer qui est rapporté dans le Barthénora, deux points même à la limite. Alors, tout d'abord, à notre époque, ouais, le Barthénora il rapporte les conclusions de la Gemara. Tout d'abord, à notre époque, quelqu'un qui va prononcer un cherem sur un objet, eh bien, il devra le donner au Kohanim. Comme ça, c'est l'avis de Barthénora, on va avoir une petite discussion sur ça. Le Barthénora il tranche selon l'avis, comme Chachamim, que Stam Chachamim la Kohanim. Maintenant, à part ça, quelqu'un qui fait un don au Beth Amikdash à notre époque, il n'y a plus de Beth Amikdash, mais l'argent qu'il aura malgré tout sanctifié, eh bien, ce sera devenu kadosh. Alors, qu'est-ce qu'il faudra en faire de cet argent? Ou l'argent ou le bien? Alors, il faudra transférer la kedusha sur de l'argent, si c'était un bien, transférer la kedusha sur de l'argent, sur 4 pièces, 4 zouz, et après, cet argent-là, on va le jeter au fleuve, d'accord? À la rivière. Et on a fini la Mishnah, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha Koltou, vous savez.